Bonjour, je m'appelle Estelle Le Bobinac, je suis la directrice de Réseau Entreprendre Aquitaine. C'est une association de chefs d'entreprise bénévoles. Bénévoles poussés un peu à l'extrême, hein, puisque ce sont des chefs d'entreprise qui sont nos adhérents, qui vont donner du temps et qui vont même payer pour accompagner des créateurs d'entreprise et des repreneurs d'entreprise. Voilà. Le réseau Entreprendre, comme nombreux acteurs de la création d'entreprise, donc sont très dynamiques dans cette région qui est représentée par Bordeaux, on va dire, aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup de mouvements, d'animations, de collectifs qui font ressurgir et qui montrent l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, je peux citer French Tech, je peux citer les femmes de l'économie pour le côté entrepreneuriat au féminin, mais on a aussi tout le volet ESS. Voilà, on est très actifs dans cette région et le réseau Entreprendre fait partie des acteurs qui font bouger les choses. Notre partenariat avec les femmes de l'économie consiste finalement déjà à relayer l'événement auprès de qui ? De nos jeunes lauréates qui ont créé leur entreprise et on les pousse à montrer ce qu'elles ont fait, hein, à candidater puisqu'il y a différents prix, donc c'est tout à fait intéressant. Et puis ensuite on participe au jury, donc on reçoit les candidatures, on les note avec nos critères aussi, hein, qui est la création d'emplois parce que pour nous c'est important, voilà. Et nous sommes présents aujourd'hui en espérant pouvoir applaudir certaines lauréates. Si j'avais un message à adresser aux nominées, alors c'est peut-être pas à elles finalement, mais c'est plutôt aux femmes en général, parce que si elles sont nominées, ça veut dire qu'elles ont osé. Et je pense que dans la vie, mais je pense que je suis pas la seule à le dire, il faut que la femme ose entreprendre. Elle a plein de beaux défis à relever et simplement elle manque un peu de confiance en elle. Et je pense qu'elle est tout aussi sérieuse que tout le monde. Voilà. Alors, au niveau de la parité, au niveau de l'entrepreneuriat, alors moi je vais parler pour ma paroisse qui est le réseau Entreprendre. Alors je suis très fière d'annoncer que dans nos adhérents, on a 30% de femmes. Voilà. C'est pas pour rien, je vais un peu les chercher aussi, parce que c'est important de montrer l'exemple. Hein, donc c'est ce qu'on fait. Au niveau des lauréates, malheureusement, on n'en est qu'à 18%. Donc il y a encore du boulot, ça le montre bien. Et donc il faut continuer des actions comme les trophées des femmes de l'économie, montrer qu'il y a des femmes qui ont réussi pour donner envie à d'autres de le faire. Voilà. Thank you.